Ah, ça va être avec plaisir, ma petite dame. Mais je suis pas libre. Prochaine fois, peut-être. Pose-toi les bonnes questions. T'auras peut-être les bonnes réponses. Qu'est-ce qu'il venait faire exactement à Paris, le ministre? Voir le défilé avec le président et puis signer les contrats. Peut-être qu'ils veulent l'empêcher de signer les contrats. Votre ami a raison. Yuki Tsumoto veut empêcher ses contrats d'être signés. Oh, mais je vous connais, vous. Vous n'étiez pas hôtesse de l'air avant d'être infirmière? Je m'appelle Yuli. Je fais partie de la protection rapprochée du ministre et j'appartiens au contre-espionnage japonais. Ah, mais c'est marrant, ça, parce que moi aussi, je suis... Émilie, la police nationale de Marseille. Et ça, c'est Daniel, il est... Stagiaire. J'apprends à régresser pour être au niveau. C'est malin, ça. Mm-hmm. C'est quoi, ce Yuki Tsumoto dont vous parlez? Un yakuza. Il règne sur le nord du Japon. Il est très puissant et très conservateur. Il ne veut ni avion, ni TGV, ni centrale, pas même de touristes. Mais devant l'insistance de la France à vendre à tout prix, il a décidé de prendre des mesures. Et non seulement le ministre ne signera pas de contrat, mais la France ne signera plus jamais de contrat avec le Japon. Tsumoto a envoyé deux maîtres, spécialistes du conditionnement et du travail hypnotique. Ils vont conditionner le ministre qui, le moment venu, probablement dans la tribune, prendra n'importe quelle arme et tuera au hasard. Peut-être même le président. Et en représailles, les Français arrêteront leurs relations diplomatiques avec le Japon et plus de contrats pendant 10 ans. Exactement. C'est dément. Oui, mais il nous faudrait agir vite. Le défilé est à 11 h, il nous reste très peu de temps pour libérer votre ami et le ministre. Par où on commence? Par le début. Avez-vous un moyen technologique pour les localiser dans Paris? Absolument aucun. Non, mais... Bon, les filles, qu'est-ce que vous faites, là?